voici sur l'étang de la Touche, donc sur la commune de la Touche d'Herbray. Un plan d'eau d'environ 4 hectares qu'on a vidangé cet hiver pour pouvoir restaurer la zone humide qu'on a juste derrière moi. C'était une zone humide qui avait tendance à se boiser vraiment beaucoup. On a besoin de restaurer en fait cette zone humide pour en faire une frayère pour les poissons et augmenter, on va dire, la biodiversité sur ce site-là. Donc on a décidé d'enlever une partie des ligneux qui étaient installés, donc tout ce qui est saule et aulne. Donc voilà, les travaux ont bien commencé. Voilà, le but étant de permettre une repousse de la végétation herbacée qui va servir de support pour les poissons, principalement le brochet, qui utilise ces zones herbacées pour se reproduire, pour y déposer les œufs et après pour grossir. Donc voilà, c'est des travaux qui sont inscrits en fait dans le contrat régional bassin versant, donc subventionné par la région Loire-Bretagne à hauteur de 80%. Voilà, pour un budget global d'environ 8500 euros. Donc les pêcheurs sont aussi pleinement acteurs, donc c'est nous qui gérons les travaux et qui finançons la part restante. Et le reste est financé donc par la région dans le cadre de la restauration des milieux aquatiques. Et donc la remise en eau est prévue? La remise en eau est prévue donc au mois d'octobre, on referme progressivement la vanne avec une remise en eau progressive suivant les précipitations et un réempoissonnement du coup je dirais en décembre janvier 2017, voilà, dans la foulée. Voilà, pour la réouverture de la pêche le 1er mai, l'ouverture des carnassiers.